Les gars, j'adore les films. Me voilà enfin au cinéma. C'est mon préféré. Wow. Oh. Les gars, qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui? Où est-ce qu'il nous a amenés? Un film d'horreur, c'est bien qu'avec un film d'horreur? Ouais. Merde, je déteste les films d'horreur. Moi aussi. Mais vous allez adorer. C'est bon, Kalukov, je n'irai plus regarder des films avec toi. Tu nous as emmené regarder des films d'horreur. Mais les gars, fous-moi la paix. Non, c'est bon, les gars, la prochaine fois, je vais voir que des dessins animés. Ouh, les gars, savez-vous ce qu'il y a à faire pour éviter que ces horreurs se reproduisent? Vous avez sans doute déjà deviné. Faites en sorte que le bouton rouge devienne gris. Et rien ne devrait vous empêcher. Et bien sûr, assurez-vous qu'il y a assez de batterie sur votre gadget pour éviter des situations désagréables comme ça. Les gars, notre vidéo aujourd'hui va commencer. Savez-vous quel thème c'est? Eh bien regardez, il est interdit de ramener sa nourriture dans la salle de cinéma. Et on a tellement envie de prendre des sandwichs, du fromage. Et aujourd'hui les gars, nous allons apprendre à nos abonnés 15 façons de s'infiltrer au ciné avec sa nourriture. Cette vidéo va être très amusante, je vous le promets. Et sait-on jamais, vous noterez certaines astuces pour le mettre en pratique. Et bien sûr, visionnez cette vidéo jusqu'à la fin et écrivez quelle façon vous avez aimé le plus. Alors les gars, je propose de commencer et de passer à la façon numéro 1. C'est parti. Et bien sûr, mettez vos likes pour la salle de cinéma. Alors, nous sommes là où nous nous préparons pour les démonstrations. Où est passé Glent, en fait? Je ne sais pas, il a encore disparu. Glent! Ok, on va faire sans lui. Alors, la façon numéro 1. On prend de la nourriture sans la cacher et on va essayer tout simplement de passer à l'intérieur. Je crois qu'on n'a aucune chance, mais pourquoi pas essayer? Si ça se trouve, le gardien est gentil. Il nous laissera passer en nous disant bravo les gars, vous filmez des vidéos cool. On partage avec lui aussi. Ouais, allons-y. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme film à regarder aujourd'hui? Pam 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 pam. On va bouffer au ciné et on puera partout dans la salle. Oh, bonjour monsieur. Bonjour. C'est pour le film, voici le billet. Pour le film? Oh, c'est de la bouffe, du McDo? Des fourchettes, des couteaux? Non, c'est pas possible dans notre cinéma. Mais s'il vous plaît. Non, mais jeune homme. Interdit? Bien sûr que non. Nous partageons avec vous. Partez. Allez, on y va. Mais pourquoi? Allez. Mais je vous en supplie. Quoi, allez, on dégage là. Ça va pas ou quoi? J'ai dit non, on sort. Mais partez. Bon, d'accord. Allons-y, on va trouver quelque chose. On revient bientôt. Allez, on sort. Méchant gardien. Ah, c'est jeune. Bon, on nous a refusé. Au fait, sais-tu pourquoi il est interdit de passer dans la salle de cinéma avec sa nourriture? Peut-être parce que ça pue et ça fait du bruit. Non. Alors pourquoi? La seule nourriture autorisée à l'intérieur est celle qu'on achète à l'intérieur. Ils font de l'argent, donc. Ouais, tu es libre de faire du bruit avec l'emballage et bouffer dans la salle de cinéma à condition que tu aies payé au profit du cinéma. Mais sa propre nourriture est toujours meilleure, hein. Alors, ce tour nous amène à passer avec ce tas de chocolat. Et sais-tu ce qu'on a pour ce faire? Un chapeau. Monsieur, des suggestions, comment réussir? Je ne pense pas qu'il y ait un problème quelconque. Je vais faire comme ça. Et c'est tout, il doit pas avoir de soucis à mon avis. Super, mais je crois qu'il faut ajouter un peu plus de triche. En nous servant de ce dispositif. Alors les gars, Kubikov a décidé d'utiliser le ruban adhésif à double face et fixer les sneakers au chapeau. Ouais. Pourquoi perdre le temps pour cela? Comme ça, ça ne tombera jamais en enlevant le chapeau. Garantie 100% que ça marchera. Ma méthode est toute simple. Et comme ça, on ne les voit pas. À mon avis, c'est une perte de temps. À quoi bon les fixer, tout cela? À quoi bon? Au lieu de passer dans toute simplicité, après tu auras tout à déchatter du chapeau. À quoi bon? Tu ne comprends rien. Je suis le professionnel quant à l'infiltration dans les salles de cinéma avec les friandises. Monsieur. Merci. Poum 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 poum. Bonsoir. 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 Ah, bonsoir. Votre billet, s'il vous plaît. Voilà le mien. Passez. Merci. Et pourquoi vous ne me saluez pas? Bonsoir. Bonsoir. Mais ce sneaker, s'il vient pas au cinéma.
Au revoir. Ah, je savais que ma méthode fonctionnerait. Et moi, je pourrais passer. Dans ce tour, nous devons passer en cachant la nourriture la plus désirée et la plus délicieuse quand on est au cinéma. Mais il y a un inconvénient, c'est celle qui fait le plus de bruit dans le cinéma. Et ça, j'avoue... Des chips ! Ça, c'est mon amour. C'est quoi ton goût préféré ? Le mien, c'est au fromage. Je les aime au sel marin et à la crème. Les gars, quels chips préférez-vous ? Quel goût ? Écrivez-le dans les commentaires. Eh bien, on va voir ce que A4 Productions nous a fourni pour ce tour. Je vois le ruban adhésif et on m'a donné un pull. Regarde ce que j'ai. Mais tu pourras pas passer dans la porte. Peu importe, l'essentiel est de passer avec des chips. Ok, comment est-ce que le pull pourrait me servir? Ce n'est pas vraiment ma taille. J'ai une idée. J'ai donc ce ruban et ces chips. Wow. Et maintenant le pull. Oh, j'ai bien grossi quand même maintenant. Ah, et voilà, je suis prêt. Kubikov, j'ai besoin de ton aide, s'il te plaît. Aide-moi à y mettre les chips, mais sans me pousser. Des chips? Oui, c'est ça, derrière. Oh putain, t'as de la place quand même. J'aurais pu y stocker toute la vitrine d'un café. Les gars, c'est comme une valise là-dedans. Mets-toi dedans. Non, mais pas à ce point-là quand même. Hop. Hop. Eh bien, on y va. Bonne chance. Quoi? J'y arrive pas. Allez, tu veux que je te pousse? Ouais. Un et deux. Bonjour. Bonjour. Eh bien, bonjour le chef. Bonjour, je suis surpris les gars. De quoi? C'est la première fois que je vois un spectateur à cet âge venir regarder Cendrillon quoi, ouais. Voici le billet. Et vous, vous avez dû prendre un peu de poids par rapport à la prochaine fois. Vous n'avez pas la forme, hein les gros? Vous avez quelque chose contre les personnes obèses? Quoi, vous êtes contre les gros? Vous gros ne respectez pas les gros ou quoi bien? Ouais, quel gros bide putain. C'est clair, aucun respect. Bon d'accord, ne te vexe pas. Oh, ce bruit, je le confonds avec rien d'autre, c'est sûr. C'est au fromage, non? Des cannelés! Bon, bah, j'y vais, ouais. Allez. Mon pote est con, mais moi, je peux entrer, oui. Non? Vous pouvez rentrer. Merci beaucoup, merci. Hey, chef, appelez les pompiers. J'ai compris. Les gars, voici une idée. Imaginez que vous regardez un film et que vous mangez un hot dog. C'est exactement ce que je vais faire. Mais voici une question. Comment passer en cachant un hot dog dans une salle de cinéma? Eh bien, j'ai du pain, j'ai une saucisse et je dois m'infiltrer avec ça dans le cinéma. Les gars, vous savez, il y a ce machin en ballon. Vous savez ça? Et si on faisait une figurine comme ça avec des saucisses, le gardien pensera que c'est un ballon et me laissera passer. Je pense que ça pourrait marcher. Ok, j'ai le fil. Au travail. Hop, 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 et... Oh, regardez-moi ça. Génial, les gars. Il ne me reste plus qu'à mettre les saucisses. C'est incroyable comme les saucisses ressemblent à ces ballons. Le gardien n'a aucune chance, regardez. C'est moi en train de faire un support. Alors... Je fais un crochet et le tout doit être maintenu ensemble. Très bien les gars, voici le ballon. C'est un vrai hot dog. C'est au-dessus des saucisses. Si vous n'avez pas remarqué, en bas, il y a du pain. C'est comme une ficelle à laquelle il faut s'accrocher. Kubikov, comment trouves-tu mon ballon? Putain, c'est génial. T'as le fil là? Est-ce que je peux utiliser cette même idée? Vas-y. Bon, c'est parti. Kubikov, ça ressemble pas à un ballon. Mais pourquoi? Voilà, regarde, un vrai ballon. Aucune différence. Et ça, c'est un mini ballon. Bon, c'est pas notre tranchée, allons-y. Allons-y. Oula, bonjour. Bonjour. Quel beau ballon vous avez, là. Ouais, je viens du cirque, c'est maman qui me l'a acheté. D'accord, allez, passez. Oh, attendez, vous ne pouvez pas passer avec les rongeurs. C'est-à-dire avec des rongeurs? Ce n'est pas un rongeur, c'est une banane. Une banane? Ben, passez. Mais s'il vous plaît... Alors, quel malin, hein. Depuis tout le temps, c'est la première fois que je vois un truc pareil. Un rat banane, quoi. Ah là là... Quoi, t'as échoué? Non. Pas grave, frérot, je partage avec toi. J'aime les hot dogs. Alors, découvrons ce qu'il y a pour le tour suivant. Un sac assez lourd. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mes Twix préférés! Alors, c'est quoi? Bande d'avancement. Et ça? Oh, on doit faire une sorte de plâtre. Waouh, c'est une excellente idée. Une fois plâtré, on peut faire plusieurs sorties au cinéma en y cachant des friandises à chaque fois. Aussi, on peut y garder des sous, voire des pierres précieuses, tu sais, comme dans certains films d'aventure. Alors, moi, ça sera sur la jambe. Et moi, sur le bras.
Alors, le pansement, les gars, vous comprenez bien, on fait là peu à vite, mais si vous vous y appliquez bien comme il faut, vous arriverez à en faire tout un coffre pour la bouffe. En gros, voilà, sur mon bras. Oh, oh, ma jambe, oh, oh. Il me semble qu'il devrait me laisser passer gratuitement. En fait, c'est vrai, je pense que ceux qui viennent plâtrer passent sans payer, mais c'est pas sûr. Et moi, mon bras, je ne me sens pas confortable à cause de ce truc. Il y a même ma main qui est couverte en partie, je ne peux rien faire du coup. J'ai compris, avoir les mains plâtrées est l'unique excuse possible pour ne pas mettre les likes sous cette vidéo. Les gars, venez mettre vos likes sous la vidéo. Eh bien, t'es prêt? Oui, je suis prêt, c'est parti. Ben ouais, allez. Qu'est-ce qui vous arrive? Je l'ai frappé, je lui ai cassé la jambe et moi je me suis cassé le bras. Le foot, tu sais mec, le foot, c'est sévère quoi. Oui, j'ai besoin de vos billets, passez, laissez-moi vous aider. Oh merci, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, merci. Merci. Attention, merci. Faites attention. Merci, merci. Merci, au revoir. Ah, génial, génial. On déchire. Les gars, nul doute, on est bien d'accord, cette façon est la bonne, hein. Profitez-en. Mince, les gars, regardez ce que nous sommes amenés à cacher en entrant dans la salle de cinéma. Vous pouvez vous dire qu'à l'intérieur du ciné, ils vendent du coca aussi. Mais comment faire si on a envie d'un milkshake ou d'un jus de céleri fraîchement prêché? J'ai une ou deux idées. J'ai toujours rêvé de faire ceci quand j'étais petit. J'ai cet énorme flexible. Je vois où tu peux en venir. Je mets le flexible là et je le fixe comme ça et j'entre dans la salle de ciné avec ce flexible pour pouvoir m'en servir une fois à l'intérieur. Et toi, des idées? J'ai ce coussin et je peux y pomper du coca directement à l'intérieur là. Et je vais la refermer et c'est pas de la bouffe, c'est juste un coussin, aucun souci. Et je resterai comme ça, tranquille. Pourvu qu'il ne pète pas. Allons-y. Alors... Je ne peux pas me passer d'aide, Kubikov, tiens ça... Alors, je vais enrouler ce flexible autour de la bouteille pour créer l'effet voulu. Ensuite, je fixe la bouteille là. Puis, je la fixe encore là, je crois. Alors, tu en es où? C'est ce que je suis en train de faire, je bois du coca d'une façon peu naturelle. Comme le spationaute? Bref, j'ai déjà empli mon coussin de coca, vous l'entendez? J'ai pris une seringue et j'ai tout fait. Et maintenant, on peut y aller tranquillement. C'est parti. Bon bah, merde, à nous. Merde. Bonjour, monsieur le chef, je suis venu regarder le film. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un coussin pour la nuque, pour ne pas avoir mal ici. Rempli de liquide. Qu'est-ce que vous avez encore inventé, les gars? Voici mon billet d'entrée, moi, je n'ai rien du tout. Sure. Allez, passez là. Merci. Ça, c'est qu'est-ce que c'est? Alors... C'est quoi ces boissons dans la salle de cinéma? N'importe quoi, ils ont décidé de me faire marcher, les mecs! Bon, ils vont m'entendre, là. Il me reste encore de la saumure. Le coca a un goût plutôt étrange. Et maintenant, je vais vous montrer le moyen le plus efficace à 100% pour passer en cachant un tas de bonbons dans une salle. Mais pour cela, on a besoin d'une fille. Voici comment vous pouvez transformer une fille ordinaire en une fille enceinte en une minute. Ouvrez l'oreiller et... Mettons les bonbons dedans. C'est ça, mettez-le sous la robe. On voit pas la différence avec l'original. Ah, tiens, quelques bonbons. Alors, on y va? Eh, attention. Oh, qui est cette femme enceinte, là? Voilà. Et fille ou garçon, alors? Les deux, je crois. Ah, des jumeaux, c'est ça? Ouais. Alors, tu venais toujours avec un ami, c'est vrai, je l'ai jamais aimé. Entrez, donc. Rentre. Allez, bonne projection. Cette façon est fantastique! Oui! Et quand est-ce que t'as fait ça? Peu importe. Maintenant, je propose que nous regardions un film. Eh bien les gars, cette épreuve est assez peu difficile. Il faut être un vrai pro pour y arriver. Savez-vous ce que nous allons faire? Des masques? Non, nous allons créer un bébé. Voici le visage de notre bébé, mais vous le verrez à la toute fin. En bref, nous devons remplir cette chose-là. Commençons par le pantalon. Bon, là, ça suffit, d'accord? Et maintenant, là, par là.
C'est bon, la quantité de bonbons que nous avons mis dans le bébé. Prends-le par les bras, là, doucement. Le bébé doit avoir une tête pour que cela fonctionne à 100%. Et un visage. Qu'est-ce que t'as fait de Glenn? Bon sang, quel petit crapaud. Pourquoi il pleure? Je crois que je sais pourquoi. Parce que les abonnés ne mettent pas de like. Oui, les gars, regardez ce bébé. Il pleure et attend que vous lui donniez un like. Du calme, maintenant ils vont tout faire, maintenant ils vont tout faire. Oh, merci les abonnés, merci pour vos likes. Allez, c'est bon, vas-y, allez. Bonjour. Bonjour. Oh, comme il est beau. Oui, le petit j'aime garçon, regardez, fils. Il a vraiment une sale gueule. Oh, est-ce que je peux le tenir? Non, il va pleurer. Je sais comment tenir oui, un bébé, je sais comment. Ne le faites pas, ne... Sortez. Vite alors! Vous avez gâché un tel visage. Les gars, ce tour est assez bizarre. Nous allons vous montrer comment passer en cachant de la bouffe ou dans un cinéma à l'aide d'un million de dollars. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Je suis là pour le film. Et qu'est-ce que vous avez dans votre mallette? Rien, c'est pas grave. Oh. Et si c'est de la nourriture? Oui, ce n'est pas de la nourriture, laissez-moi vous aider. Oui, s'il vous plaît. C'est mon portefeuille. Oh, j'ai compris, ouais. Aidez-moi, s'il vous plaît. Bien sûr, on aide tout le monde. Oh, merci beaucoup. De rien. Merci. Vous pouvez y aller, là, je pense, même sans billet, franchement. C'est pour votre aide, merci. Merci. Bonjour, voici le billet. Et j'ai rien, c'est vide, c'est tout vide. Entrez, alors. Quel con, celui-là! Qu'est-ce qu'on peut en faire des choses quand on a un million de dollars? Eh bien... Ah, trop la classe. Maintenant, nous allons essayer de passer à l'aide des cheveux et de la barbe. Pour commencer, il faut, je crois, enfiler ce chapeau. D'accord, regardez ce que nous allons faire ensuite. Nous allons prendre du ruban adhésif et le mettre sur la tête de Kobiekov. Regardez, toute la tête est recouverte. Maintenant, on prend les verres. Je vais Arrête coller. De les manger. Maintenant, on va s'occuper des cheveux. Tu devrais te voir. Ma tête a pris un kilo de plus. Regardez les gars, comment 5 paquets de bonbons tiennent sur une seule tête. Regardez ça. Bon, c'est à toi de changer ton look. On va s'occuper de ta barbe. Oh oh oh. Qu'est-ce que c'est? Je suis prêt. Rends-moi vieux. Commençons par la moustache. Très bien, allons voir un film. Allons-y. Bonjour. J'ai amené mon grand-père au cinéma. Putain, t'as une barbe vraiment trop cool, quoi. Oh non. Alors attends, dégage. D'accord, mais je peux aller voir le film au moins c'est une voiture. Non, t'es puni. Allez, ton billet, il est où? Allez, entre, j'en ai coupé les cheveux. Des dreads? Ouais, merci. Moi aussi, j'en veux. Essayons maintenant de passer avec des bonbons cachés suivant l'astuce vue sur TikTok. Ici, on peut prendre un peu plus de bonbons parce que cette façon va fonctionner à 100%. Bonjour les gars, vous êtes paresseux ou quoi là? J'ai pas compris. Ok, Kobiekov, tiens. Vous l'avez même pas caché quoi. Ok chef, attends une seconde. Et maintenant, je vais te montrer un truc. Allons-y. Allez, sors d'ici. Et vapeur. Bon sang! J'ai réussi! Ouais, allons-y! Allez, on sort directement du théâtre, là! Allez! Bon, cette fois-ci, on va prendre la boîte. Non, impossible, ce n'est pas du tout. Regarde bien. Mon ça pote, ce n'est pas si simple que ça. Une boîte à double fond. C'est tellement intéressant, mince. Et il n'y a rien. C'est comme une boîte laquée à double fond, un coffre-fort à double fond, t'imagines? Les voleurs viennent, volent, et il y a encore un autre coffre. Génial, comme astuce. C'est pratique. Allez, on y va. Bonjour. 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 Bonjour, où sont les billets? Les billets sont dans la boîte ici, nous les avons cachés. Vous avez des billets dans une boîte? C'est pas interdit par la loi. Oh, je sais, j'ai déjà vu ce que vous avez fait, alors je ne serais même pas surpris. D'accord, c'est à vous. Autre chose dans la boîte ou quoi? Vide. Le fond. Passez. Merci. Gentil garçon, même pas de tricherie. On s'éclate. Les bonbons peuvent être transportés dans ce sac. Bonjour. Bonjour. Oh, il fait si chaud, on est allé à la plage. Ah, alors, c'est bien. Rien. C'est quoi?
C'est un sac de plage? Oui, je peux l'ouvrir au moins pour voir? Bien sûr, sans problème. Ah, alors, il y a quoi? C'est quoi dans le sac, là? Allez, qu'est-ce qu'il y a, un autre sac? Oui, c'est le mien. Ah, j'en ai marre, là, de vous, là. Franchement, vous faites quoi, là? Tout est à moi, tout est là. Ah, j'en ai franchement cassé les couilles. Allez, entrez, là. Merci. Vous êtes des pigeons. Bravo! Les gars, voilà les bonbons qui étaient si prêts! Et quelle est la moralité de cette histoire? Les gars, n'abandonnez jamais! Allez jusqu'au bout! Et donc, je vais réessayer. Les gars, le bouton rouge s'abonner, rendez-le gris, s'il vous plaît. Tout de suite! Cette façon de faire est géniale! Regardez! Pourquoi avons-nous besoin d'un parapluie? C'est très simple, nous retirons les baleines de notre parapluie. Et? Nous mettons les guimauves dessus, d'accord? Regardez ce que nous avons! Voici le parapluie, ça fait beaucoup de guimauves, deux paquets. Juste là, ça devrait suffire, c'est parti! Oh, week-end pluvieux! Bonjour! Bonjour! Vous avez un parapluie aujourd'hui? Oui, il pleut. Pourquoi pas? C'est quoi ça, parapluie là? Un parapluie rouge ordinaire. Je peux le voir? Alors. Écoutez, je veux juste un parapluie depuis longtemps et je ne peux pas m'en acheter. Il est excellent. Ouais, il est bon, beau le vôtre. C'est quoi? Où? C'est quoi ça, regarde bordel? Un parapluie? Je rêve pas là. C'est des guimauves. Oust! Dehors! Délicieux. Comment peux-tu être si con? Je comprends pas. Ouais, Kamikov, nous nous sommes laissés un peu emporter. On voit bien qu'il y avait des guimauves. Nous passons au tour suivant. Les gars, la façon qui est d'actualité aujourd'hui, nous prenons un masque et nous mettons un paquet de nourriture dans notre masque. Les gars, ça marche à 100%. Qui va savoir ce qu'il y a sous votre masque? Personne n'en a besoin. Très bien, allons-y. Bonjour. Achou. Bonjour. Un billet. Alors? Distance. Vous portez des masques? Il y a un virus qui circule. Vous lisez pas les actualités? Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Rien. Entrez. Et si je te vois encore avec cette bouffe, je te laisserai plus entrer quoi. Où as-tu mis les bonbons? Je les ai mangés, chemin faisant. Glenn, où étais-tu passé pendant tout ce temps? J'ai trouvé un job partiel dans un cinéma. Regarde ce que j'ai réussi à trouver.